Ce soir, le Seigneur veut juste t'apaiser. Il veut juste t'apporter le repos, la paix. Tu en as besoin. Père, merci. Seigneur, nous voulons être guéris de nos blessures ce soir. Seigneur, Père, sauve-nous. Guéris nos cœurs malades. Seigneur, nous t'en supplions. Tu nous as créés à ton image. Le péché nous a abîmés. Le péché nous a, Seigneur, fortement, fortement blessés, détruits. Mais ton esprit vient à nous pour nous façonner de nouveau. Façonne-nous comme un potier. Donne-nous la forme que tu veux et non celle que nous voulons. Nous ne voulons plus courir après le ministère. Nous ne voulons plus courir après, Seigneur, la prédication. Nous voulons courir après toi. Nous voulons être entre tes mains, Seigneur. Façonne-nous à ton image, mon Dieu. Oh Père, le plus important, ce n'est pas de nourrir les pauvres, de donner à manger aux gens, d'aller ici à la mission. Le plus important, c'est d'être à tes pieds pour écouter ta parole, pour recevoir ta parole, pour t'adorer en esprit, en vérité. Seigneur, enseigne-nous ces réalités, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu, guéris nos cœurs. Il y en a qui sont blessés, il y en a qui ont été violés, il y en a qui ont subi des attouchements sexuels, Seigneur. Et qui les cachent, et qui les amis ne savent pas forcément qui parle. Seigneur, je prie ce soir que tu puisses, Seigneur, restaurer ces cœurs malades, ces femmes qui ont été violées, ces femmes qui ont été abattues, Seigneur, qui ont été battues par leur mari, ces femmes qui ont été, Seigneur mon Dieu, qui ont subi des violences, ces femmes qui sont menacées, ces hommes qui sont menacés constamment par les hommes. Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses te révéler à chacun ce soir. Ceux qui sont venus ici pour te chercher sincèrement, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, le Père de gloire, au nom de Yeshua. Seigneur, guéris, Père, guéris, mon Dieu, Seigneur, au nom de Yeshua, que les blessures, mon Dieu, s'en aillent, que les esprits en plus s'en aillent, que toutes les souffrances sortent au nom de Yeshua, Seigneur le Sauveur, que ceux et celles qui se sentent seuls, incompris, Seigneur, mon Dieu, soient guéris, soient restaurés ce soir, au nom de Yeshua, Seigneur le Sauveur, Père. Tu as cru que le Seigneur t'avait délaissé et abandonné. Tu as cru qu'il ne pouvait plus te parler, qu'il ne voulait plus te parler. Au contraire, Dieu t'aime. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur te dit, je te pardonne. Son sang a coulé. Ma fille, je t'aime, je te pardonne. Sanctifie-toi désormais, car je veux me servir de toi pour ma gloire. Et aujourd'hui, je te dis que je t'aime. Le péché t'éloigne de moi. Je veux que tu reviennes à la maison. Je veux que tu m'aimes plus qu'avant parce que mon esprit va te guider. Souviens-toi quand tu t'es converti, combien tu étais zélé, comment tu étais zélé, comment tu priais, comment tu lisais la parole, comment tu m'appelais Père. Et aujourd'hui, je suis descendu pour te parler. Et je te délivre. Aujourd'hui, je veux que tu te sanctifies. Je veux que tu te sanctifies totalement pour moi. Au nom de Yeshua, la puissance de Dieu vient briser cette chaîne. Ça, c'est bon. Quitte-la. Le sang de Christ a coulé pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Oh Père. Le Père est en train de guérir les cœurs ce soir. Il est en train de guérir les cœurs malades. Beaucoup vont revenir à la maison du Père. Oui, le Père a prévu cette robe pour toi. Le Père t'attend depuis toutes ces années, il t'attend. Tu as été d'église en église, tu as été ici et là, tu as couru partout. À un moment donné, tu ne voulais plus aller nulle part, je ne voulais même plus prier, je disais c'est fini.
Mais le Seigneur n'a pas voulu que Satan te récupère parce que tu aurais pu mourir. Ton nom est dans le livre de vie. Voilà la réponse que tu attendais. Le Seigneur te dit, je t'aime mon enfant. Je t'aime mon enfant. Je t'aime mon enfant. Oh Dieu de gloire. Dieu. Seigneur, merci. Père, merci. Parle à ton Père ce soir. Parle-le avec ton cœur, avec ton âme. Il enlève ce poids, ce fardeau que tu as. Ce fardeau. Quelqu'un ici souffre beaucoup au travail. Ton employeur te fait souffrir. Le Seigneur te dit, je veux m'en occuper de toi. Persévère. Reste en prière. Au travers de ta souffrance, le Seigneur te façonne, te prépare. Tu pries pour ta collègue, le Seigneur dit qu'il veut, il va la toucher. Mais toi, continue à présenter les prières devant le trône de gloire. Continue à présenter les prières devant le Père. Au nom de Yeshua, et dire gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu entends nos prières. Dieu exauce nos prières. Oh, Seigneur, merci. Tu as demandé au Seigneur la femme que Dieu veut. La femme que Dieu veut. La femme que Dieu veut. La femme de prière. Dieu dit, oui, ma fille. Oui, ma fille. Tu es cette sentinelle-là que je prépare, que je mise à part pour cette nation, pour cette nation. Il y a des sentinelles ici que Dieu a mises à part pour la nation. Alléluia. Elles sont sur la brèche, en train de gémir, en train de souffrir face au péché, face à l'infidélité de ce peuple. Tu portes ce fardeau, tu portes ce fardeau, fils, tu portes ce fardeau, tu portes ce fardeau, Dieu dit. Tu commences à éprouver ce que Dieu éprouve face au péché, face au péché. Tu vas de plus en plus découvrir les cœurs des hommes. Et Dieu dit, je veux de plus en plus t'imposer la solitude parce que j'ai une mission pour toi. Tu seras de plus en plus seul, de plus en plus seul. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu. Il y a un travail que Dieu a commencé avec toi, ma soeur, il va l'achever. Mon frère, il va l'achever. Et ce soir, Dieu veut que tu l'entendes. Il a commencé une œuvre. Même si tu penses que ce n'est plus le cas, ce n'est plus comme avant, par rapport à ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur dit, tu es dans un temps de désert. Tu es dans ce désert-là. Et tu es en train d'escalader cette montagne. Et Dieu va t'amener jusqu'au sommet pour recevoir de nouveau le rouleau de la part du Seigneur. Et quand tu vas sortir de ce désert, tu vas aller confronter les gens dans les filles pour parler de la part du Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Dieu. Il y a quelque chose ici là. Et là, le vent de Dieu, le feu de Dieu, régénère ta vie de prière, régénère ta vie de... Tu peux être de nouveau consacré à Dieu, tu es là. Oh Dieu de gloire. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont choisi. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a mis à part. Personne ne peut éteindre ce que Dieu a mis en toi. Personne. Sauf toi-même. À cause de la rébellion. À cause du péché. C'est pour ça que Dieu dit, laisse-moi te façonner. Laisse-moi te tailler. Laisse-moi travailler ton caractère. Car je veux t'utiliser pour ma gloire. Mais je dois te façonner. Je dois te façonner. Je dois briser ce cocon dans lequel tu t'es enfermé. Je dois briser ce cocon-là. Et Dieu se sert parfois des gens qui sont proches de toi pour être blessés. Et Dieu te dit, je suis celui qui blesse et qui guérit. Dieu permet les gens qui sont proches de te parler mal. C'est lui qui permet cela. Ne te focalise pas sur eux. Dieu travaille ton caractère. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas
Dieu, tu es comme en prison, tu te sens comme en prison. Et tu te dis, mais pourquoi moi, Seigneur, pourquoi cette souffrance, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Eh bien, Dieu fait ce qu'il veut, c'est toi qui l'as choisi. Jésus. Tu vois? Tu pleures, tu souffres. Tu veux, Seigneur, pourquoi toi, pour ta famille? Pourquoi seulement ta famille? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Tu pries, Dieu ne répond pas pour l'instant. Et ce soir, Dieu te dit, j'ai gardé le silence parce que je voulais t'enseigner la foi. Souviens-toi, tu as demandé au Seigneur d'augmenter ta foi. Souviens-toi, tu as demandé au Seigneur de t'enseigner sur la foi. Tu as demandé au Seigneur la foi. La foi d'Élie, la foi des noms, la foi de Paul. Et Dieu dit oui. Jésus Christ, alléluia. Femme, fils, Dieu t'enseigne la foi. Ne crois pas ce que les hommes disent. Ne crois pas ce que les médecins disent. Dieu dit, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Crois seulement. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne va pas te faire honte. Dieu ne va pas laisser l'ennemi parler de toi, parler sur toi. Dieu tient à son nom, il tient à son honneur, il tient à sa gloire. Il ne va pas agir par rapport à toi dans ta vie parce que tu pries, parce que tu jeûnes. Il va agir parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a dit tout est accompli. Il va agir parce qu'il est le Dieu de grâce. Et il va répandre cette eau sur toi. Il va répandre cet esprit, l'esprit de grâce sur ta vie, sur toi, ta famille. Au nom de Yeshua. Pour changer ton caractère. Changer ta nature. Tu vas de nouveau plier tes genoux comme avant quand tu es incarcéré. Désormais, face au problème, tu vas plier tes genoux pour intercéder. C'est ce que Dieu veut pour toi. Oh, les filles de gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir pour la Guadeloupe. Il y a une nation, il y a un peuple ici, Seigneur. De nouveau, Dieu nous donne la clé pour ouvrir les portes. Clé de fermer jusqu'à présent. Des portes, même dans ta famille, des portes. Des portes. Ils vont se liguer contre toi, mais personne, tant que tu marcheras avec la sanctification, dans la sainteté, personne ne pourra t'atteindre, personne. Est-ce que tu sais par tes prières qui dérangent les satanistes dans ta famille? Est-ce que tu sais par tes prières qui dérangent dans ton travail les satanistes? Ils ne font la terre, ils ne peuvent pas la terre. Oh, alléluia. Et vous chez le Seigneur. Il y a un fleuve de vie que Dieu déverse en ce lieu. Il y a un fleuve ici. Aidez-moi toutes ces personnes-là. Aidez-moi. Oh, alléluia. Il y a un fleuve ici, un fleuve d'eau vive. Jesus Christ, alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es rejeté? C'est parce que Dieu marche avec toi. Tu sais pourquoi tu es rejeté? Parce que Dieu marche avec toi. Le feu de Dieu autour de toi fait fuir les gens. Alléluia. Oh, les méchants, les mauvais. Seigneur, merci. Amène-la moi où Dieu veut la guérir. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, tu es magnifique. Ça va, jeune fille? Dieu t'appelle. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Que je le serve. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Waouh.
Yeah.
d'accord? Waouh! On peut prendre place? Ah, toi, c'est fini. Ça va? Dis-moi, pourquoi tu pleures? Donc, tu vois, je touche les enfants, c'est beau. Et une onction sur lui là. Ah! Oh, la puissance de Dieu. Voilà. Tu as quel âge? 10 ans. Ah, Dieu touche et vous avez des enfants comme ça là. Et merci, tu vas prêcher l'évangile. D'accord? Voilà. Jésus. Voilà. Ceux qui veulent le baptême, levez les mains. Les gens qui veulent se faire baptiser ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le baptême ce soir? Gloire à Dieu. Allez, viens, viens les gars. C'est bien, bien, c'est bien mon gars. Qui d'autre veut se faire baptiser? Venez, vous qui voulez recevoir le baptême. Les portes. Gloire à Dieu. Magnifique Seigneur, Dieu travaille. Ça va? Gloire à Dieu. Alléluia. Venez prendre le baptême. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Quelqu'un est guéri ce soir de douleur au niveau des reins. Le bas du dos faisait très mal à quelqu'un. Le Seigneur est en train de le guérir ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu veux le baptême aussi, jeune fille? Tu veux? Ok. D'accord. Touchez simplement là où vous avez mal, si vous êtes malade. Voilà. Seigneur, merci pour toutes ces guérisons que tu accordes à mes frères et sœurs. Nous chassons toutes ces maladies maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes ces guérisons, Seigneur divine, que tu opères, que tu accordes à mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, essayez de faire des rêves, le mouvement que vous ne pouvez pas faire, des gestes que vous ne pouvez pas faire avant. Si vous avez une guérison, si vous avez reçu une guérison, vous levez la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là, merci. Seigneur, tu accordes la guérison à mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un souffre beaucoup au niveau de son sein gauche. Que le Seigneur vous guérisse, c'est tout. Viens. Viens. Il n'y aura pas de problème, pas de problème, pas de cancer. Oh, alléluia, tu vas la suivre. Viens là, viens là. Belle présence de Dieu. Jésus. Oh, Jésus. Une belle présence de Dieu sur elle. Merci. Quelqu'un a eu plusieurs infections urinaires, tout ça.
Le Seigneur veut complètement guérir, nettoyer. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qui n'aura plus ces infections-là. Et qui, oui. On sait que le Seigneur peut opérer. Ah oui, le Seigneur travaille. Ah, Seigneur, merci, ma soeur. Il est là, une émotion sur elle. Donc, il est là. Il est là, merci. Et dire le frère, tout ça, tout ça. C'est réglé. C'est bon. Quelqu'un au niveau des articulations, des douleurs au niveau des articulations, beaucoup de douleurs. Tout ça, c'est toi. On attend le Seigneur, là, la prose, là, le Seigneur. Là. Je vis là, dans le ciel, sur le Seigneur, c'est bon. Voilà, aidez les gens à se prendre une onction, là, c'est moi, là, aidez-le. Oh, Jesus. Tout ça, tout ce corps, là. Le Seigneur guérit. Merci, t'as bonne raison. Elle est là, une action sur elle. Là. Oui, c'est beau. Merci Seigneur. Waouh. Elle est là, aussi, t'as bonne raison. Waouh, magnifique Seigneur. C'est bon. De l'attention ici. Le Seigneur va enlever toute cette maladie. Fini. Palpitation cardiaque. Quelqu'un, Dieu veut lui donner un cœur d'enfant. Mon frère, c'est réglé. C'est réglé. Sors. Sors. Mon Jésus. La mort. Sors. C'est réglé. C'est bon. Seigneur, que mon frère soit guéri au nom de Jésus Nazareth, la gloire à Dieu. Oh, ouais, la gloire à Dieu, c'est bon. Personnes qui veulent se convertir, recevoir Jésus dans leur vie. Sois, c'est bon.
les deux genoux. Les genoux font très très mal. Voilà. Et tu voudrais te mettre à genoux comme avant pour adorer le Seigneur là. Hein? Parce que tu veux ces genoux là, vous avez.
c'est pas, elle ne vient pas de toi. C'est quelque chose de large. Qui est là qui va sortir au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu souffres beaucoup. Tu pleures beaucoup. Tu en peux plus rien. Tu combats beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Tu es un Dieu de ta paix. Dieu t'appelle à son service. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Allez, lâche ma soeur. Voilà. Tu ne peux rien contre moi. Tu m'entends? Tu ne peux rien contre moi. Ni contre elle. Tu sais que Dieu m'a mandaté de déchasser une personne maintenant. Oui, allez. Voilà. Tu ne peux rien contre moi. Voilà. Tu ne peux rien faire. À genoux. À genoux. Non, Jésus. Tout genou fléchira. Allez, à genoux. Voilà. À genoux. Et cela. Va se mettre à genoux. Tout genou fléchira et toute l'âme confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur est. C'est réglé.
C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Tu es bizarre. Comment tu te sens bizarre? Je sais pas. Elle se sent bizarre. Parce qu'il y a des choses qui sortent. Il y a des choses qui sortent. Elle reçoit une touche spirituelle. Hein, ça sort. Cette malédiction familiale, hein, c'est des chaînes que Dieu brise. Elle a dit qu'elle va bien. Le Seigneur a dit ça. Ok, donc il y a des choses qui sortent. Ça part. Vous avez vu? Elle a pas de vie. C'est les chaînes que Dieu brise. Hein. Elle est en cage, en prison. Il y a beaucoup d'anges qui sont descendus ici. Je vous dis, je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end. Oh, regardez-moi, elle est en train de suivre une délivrance là. Les esprits impurs sont en train de sortir. Vous voyez, elle est en train d'enlever les chèques de partout. Ils sont en train de sortir. Allez, sortez! Comme Jésus. Sortez! Hey, Jésus! Ta cousine veut quoi? Elle veut confesser un péché. Waouh! Oh! Les films pornographiques, tout ça, les masturbations. Et qu'elle se masturbait, qu'elle regardait des films de masturbation sur son ordinateur, tout ça. Waouh! Waouh! Il y a des choses qui se passent ici en Belgique. Regardez, ça sort, les démons continuent à nettoyage. Il y a un esprit de mort ici, là-bas. Quittez quelqu'un, là, je vous dis. Sortez. Oh, mon Dieu. Aujourd'hui, c'est fini. On t'a marié la nuit. On t'a donné un mariage la nuit. Dieu brise le mariage nocturne en notre journée. Et une onction de guérison de délivrance. Quelqu'un ici est attaché. Ligoté, lié comme pas possible.
Tout ta fierté le va, tout ta tout ce que tu ferais le va, tout ça. Elle dit ça sort. La puissance de Dieu. Quelqu'un ici est marié, marié la nuit, un esprit des eaux. Oh, alléluia. Un esprit impur. Quelqu'un ici là. Oh, alléluia. Dieu est en train de te libérer de cette prison, de te libérer de cette chose, de te libérer de cette chose là. Au nom de Yeshua, Dieu t'aime, tu as vu tes combats de lutte. Tes peines, le Seigneur vient mettre sa main sur toi et brise ces choses dans le nom de Yeshua, Seigneur Sauveur. Cet esprit des eaux qui te poursuit partout là, je m'adresse à toi. Tu n'as plus aucun droit légal sur la vie de personne. Le Seigneur l'a choisi, le Seigneur l'aime, le Seigneur l'appelle au nom de Yeshua. Ton règne est fini. Ton règne est fini. 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 Toi là où tu es, ta peur, et donc la peur tout le temps. La peur. Tu te sens. Bizarre, c'est pas normal, c'est pas toi. Le Seigneur t'aime. Fais retourne ta main. Si tu peux me donner ta main. Oh. Jesus. Lâche-la. Au nom de Yeshua, esprit des eaux, lâche ma soeur. Oh, alléluia, Seigneur, merci. Tu vois, hein? Voilà. Comment tu persévères? Waouh, c'est bien, que Dieu soit béni. Amen, gloire à Dieu. Et les gens ont des problèmes. Hein? Je finis avec quelqu'un ici dans ta famille, de deux générations, personne ne se marie. Tout le mariage va se briser, personne. Et tu as constaté, tu as fait le contact toi-même. Le Seigneur te libère de cette souffrance-là. Fini. Voilà, la bénédiction familiale vient sur toi, sur ta génération, ta postérité, au nom de Dieu, le Seigneur Sauveur, et la gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Vous savez, quand elle était les réunions, là, moi-même, je suis comme vous. On est là en train de suivre ce que le Seigneur fait. Voilà. Quelqu'un est guéri d'une maladie incurable ici, une maladie incurable. Une personne qui souffre de cette maladie incurable, d'une maladie qui affecte ton sang. Tout ça, là, au nom de Dieu, et la gloire à Dieu. Seigneur, merci, le VIH. Il n'a pas fait les examens, les demandes, au nom de Yeshua. Gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ta grâce. Dieu est fidèle, mes amis, Dieu est fidèle. À toi, merci. Sors.
C'est vrai qu'à la présence du Seigneur comme ça, les choses en vont. Hein. L'onction vient et les guérisons s'opèrent, les démons s'en vont, les malédictions sont brisées au nom de Yeshua. Oh, la puissance de Dieu, Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ton onction sur elle. Le Seigneur te sort de toute cette malédiction familiale aujourd'hui, définitivement. Au nom de Jésus. Allez, sors! Elle te vomit, tu m'entends? Au nom de Jésus. Elle te vomit. Oui, je dis, elle te vomit, elle te vomit, elle te vomit. Cette chose est très en colère. Très en colère. Très en colère. Elle veut fuir. Oui, elle veut fuir. Elle veut fuir. On peut acclamer le Seigneur. Et le Seigneur, il travaille. Waouh. Les démons veulent partir. Mais s'ils veulent partir, qu'ils partent seuls. Ils veulent partir avec mes corps. C'est pas possible, c'est pas normal ça. De plus en plus les démons partent comme ça. Encore, encore 5 minutes, s'il vous plaît. Il y a un esprit de colère ici, Dieu bon ça. Un démon de colère. Quelqu'un souffre à cause de cela. Cet esprit de colère te pourrit la vie. Ça provoque non seulement la colère, mais la violence, parfois verbale. Le Seigneur te veut. Il te veut pour lui. Et il te guérit de cette colère. Il te guérit définitivement. Au nom du sang de Yeshua, le Seigneur et Sauveur, Père, merci. C'est Dieu lui-même qui travaille. Moi-même, je suis aussi en train de me dire, voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Le Seigneur il est en train de travailler. Tu es baptisé, jeune fille? Viens. Tu aimes Jésus? Ah, c'est bien. Dieu t'aime beaucoup. Oh, Seigneur, bénis là. Au nom de Yeshua. Bénis la paix. Au nom de Yeshua. Merci à tous les frères et sœurs qui nous ont accueillis, qui nous ont reçus. Vous savez, quand on organise de tels programmes, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup ne se rendent pas compte. Entre les billets et les salles qu'il faut louer, il y a des frères et sœurs de la Guadeloupe qui se mobilisent pour le faire, très peu. Qui se mobilise, en tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous. Et je sais que notre Dieu se souviendra de vous. Voilà. Donc, je vais vous offrir ma Bible, là, celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Qui a reçu son baptême aujourd'hui? Oui, oui, qui s'est baptisé? La deuxième personne qui s'est baptisée, elle est où? Qui est son baptême? Ok, viens mon grand. Vignon. Vignon, c'est ça, on va commencer l'église, c'est ça. Vignon. Ok, je comprends. Voilà. Tu vas prêcher l'évangile comme moi, là. C'est bon? C'est bon? Amen. Toi, quel âge? 18 ans. Ah, 18 ans, c'est bien, c'est bien. Bon courage. Amen.